Ko ndiyando lande gritere ndiyandi ari haka motere nde men eti hubali bonni men galle dem fop nder ga fu ay fusu lota ka bonni do fop saku maro ko woni ga kon e fisi der ko woni ga kon e tele ko woni ga kon fu dum do fu bonni ndaru pigi dum do fop bonni alla be ministere be ministere be wombe dowdo kono num men wadi programme men si tay eta wala men mabbe men wawa wadde goddungo. On a hika fuddi rowani nda rowani kadi ha rowani nda hedo do chef secteur ala ko mi wona chef secteur ko mi wona ni be wona hobe be woni to ko be halande be halande be ala occupé yo nu be ali wona ndiyan ari wona fus ndiyan ara le fus be yebe uditi ndiyan dan nyogum fo ili ari nadi der galede fop der galede ko buri 200 millions ko boni doko mi nguli toto ilande do haga sutisi madam pere comme pere c'est gouvernement wali talme c'est me yayi me bendo ko wadi wo hare ko dun no alla moyi comme un père kon kasel teren komando depuis kana boni bi aluka kombo simente ibara yaji aji dinan dalan anna suman be brabati nyala ambolo feni be brabati nyala nga boy ando ba sani deni ni pagayeke nga wa chef de qualité bara nga chef de qualité na kama fena ko abonya ino mramo lawa. C'est comme ça que nous avons dit. Il est là. Ça, nous avons dit que nous avons dit. Albert Braba, comme nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit. Ça, nous avons dit que nous avons dit. Nous avons dit que nous avons dit. Nous avons dit que nous avons dit. Alu le mafote kwali na kana ya mafene alu si nde no odi kwa albrana ezi kwenya e kala dinya kalte kono ko ba mol soro yena la appelé dela mais dilo la mo kele ndala ka fambra waindo. Nous on a été appelé aux environs de 10 heures par les citoyens riverains soi-disant qui sont envoyés par les eaux usées en provenance du site du radar. Alors à la suite de ça, nous nous sommes précipités pour venir voir les lieux. Et on a trouvé effectivement qu'ils sont envoyés par les eaux usées, les eaux de toilette, les déchets qui ont envahi les maisons. Il y a eu d'énormes dégâts. Selon la population riveraine, que c'est les camionneurs, les camions vidageurs qui envoient les déchets au niveau du dépotoir par la complicité de ceux qui sont là-bas, ils déversent là-bas. C'est à l'issue de ça que maintenant, quand il y a eu forte pluie, que l'eau a envahi et ça a débordé, ça fait une inondation sur les foyers. On a remonté l'information au niveau de l'autorité compétente qui est la mairie. La presse est venue, ils ont fait les filmages, ils ont sorti ça à la télé, ils ont fait des sketchs, ils ont même fait des poèmes de sensibilisation. On a interpellé les nouvelles autorités, qui est le président de la délégation spéciale de la commune de Bessa, dont nous relevons maintenant, on l'a dit, que vraiment il y a un quartier qui est appelé Amdallaïon, dont le secteur 4, les citoyens qui sont de ce lien-là sont victimes de cette inondation qui a causé beaucoup de dégâts. Il n'a qu'à venir au secours.